السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد بلقائكم. العديد من الطلبة بعد إنهاء المشوار الدراسي ديالهم أو إنهاء تكوين dans une formation professionnelle pour avoir un diplôme يجدون أنفسهم أمام مشكل كبير ألا هو إجراء المقابلات والنجاح فيها قصد الدخول إلى عمل أو إلى تكوين أعلى من ذلك من لي دوزو من قبل اللي كان عندهم قبل. Donc, elles ont toujours un certain défi à relever. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? On va essayer de répondre à une question. Quels sont les types de l'entretien d'embauche? Les types, les entretiens, les muqabalats, les mumkinina n'aïchoua ou la toujina, ou nahnou fil bahth 'an l'amal ou le bahth 'an tkouin fi mustawa mu'ayyan. Donc, premièrement, le premier entretien que nous allons voir, en face à face. Premièrement, c'est toujours en face à face. C'est مقابلة دائما كتكون فيها قابلة يقابل إذا فيها اثنان على الأقل يتقابلان. وفي المقابلة دائما كنحاول بأننا نبين المعارف ديالنا والكونيسونس ديالنا سورتو les compétences qu'on pourrait avoir et qu'est-ce qu'on pourrait réaliser dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait réaliser, donc quelle est notre valeur ajoutée. Donc au fond c'est rare qu'il y ait toujours l'élimination. دائما المشغل كيحاول بأنه يأخذ le meilleur لكن في المارشي, le meilleur candidat, أحسن مشارك في الانتروتيان كيأخذ لأنه سوق الشغل est compétitif, le marché du travail est certainement compétitif. Le second, il sert à confirmer l'intérêt de la candidature et à décider de l'embauche. D'accord? أم لا. ثالثا, vous pouvez rencontrer différents responsables à l'occasion d'entretiens successifs. Donc, كنحاولوا ما أمكن في الثالث, في النوع الثالث اللي غادي نطلعوا عليه بأننا كنتعرفوا على مجموعة ديال المسؤولين, les responsables de l'entreprise. وأخيرا, il est indispensable pour vous d'identifier la fonction de chaque interlocuteur et le but qu'elle poursuit. Par exemple, on découvre et on trouve plutôt le responsable du personnel, puis le chef du service, ou bien le PDG, ou bien un certain directeur, ou bien le responsable des ressources humaines, etc. etc. Donc, à deux mal arba'a, les radins, n'haoulou ma'am kan ta'arfou liyom, ou n'a l'khamis, kadali radin ta'arfou liy, hada radin khilou tal-khar, je ne vais pas le présenter pour le moment, je vais le garder à la fin. Donc, premièrement, l'entretien face à un jury. Donc, le muqabala, تكون دائما وانت امام واحد اللجنه اللي كتحاول ما امكن بانها تيفاليي لي كومبيتونس ديالك اي سورتو لي سوفت سكيلز ابري افوار سورتو لونتروتيان il faut pas oublier ça que l'entretien vient après avoir terminé le parcours scolaire ou la professionnelle. Ça veut dire vous avez un certain acquis, عندك مجموعه ديال المعارف, vous avez un certain savoir. Donc, la société, l'entreprise, vous allez essayer de mettre en action, de mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Donc, premièrement, vous êtes seul face à 3 ou 4 personnes. Fait nul min al muqabala dial mwajahat lejna, takounou wahdak, certainement, takounou wahdak, fi mwajahat tlata ou arba'a du l'a'da du lejna. Donc, il faut bien savoir se défendre. Et il faut bien savoir également se présenter. Il faut bien également savoir se mettre en valeur. Pendant l'entretien, il faut bien se mettre en valeur. Et dernièrement, il faut bien également savoir se vendre. Il faut qu'on ait des techniques pour savoir vendre le produit, ça veut dire se vendre dans le marché. Et la personne qui arrive à travailler, l'insan, ou l'insan qui a dit, qui a dit, qui a dit, qui a dit, qui a dit,
والإنسان الذي يجيد التعبير عن ذاته وكيعرف بأنه يتكلم على راسه بكلمات إيجابية وكيحاول يتفادى لي بياج اللي ربما هو كيعرف على ذاته وكيحاول توجور يمشي لو كوتي سو كي توجور بوزيتيف سو كي بوزيتيف الى عندنا دي لاكون il faut les éviter. D'accord? Il faut les éviter. Machakil ou la porte tarat ou la. Par exemple, vous avez une formation que vous n'avez pas terminée. عندك واحد 3 شهور في لو سي في ديالك اللي كان فيه ان سيرتان فيد من الافضل بانك دو ميتر لاكسون سور اوتر شوز تجر يعني ناخذ الاهتمام ديال لو جوري الاشياء اللي مهمه جدا والتكوينات لي فورماسيون كون ديجا في ولا لي اكسبيريونس ولا لي ستاج كو فوز افي ديجا اي دوزيامون les différentes personnes échangent leur appréciation sur vous en fin de l'entretien avec une grille commune. Donc, les gens, ce que vous avez de plus et ce que vous avez de moins. Donc, parfois, une personne, parfois, vous trouvez une personne. Voilà, شبكة اللي كتهم فقط السلوك ديالك la personnalité ديالك كيفاش كتصرف او autrement dit ce qu'on pourrait dire les soft skills ça veut dire داك الذكاء العاطفي هل انت ذكي عاطفيا بما يكفي او une autre grille chez une autre personne qui fait partie de du jury qui pourrait peut-être contenir le savoir est-ce que vous maîtrisez votre savoir le savoir de la formation que vous avez fait ou bien qu'est-ce que vous allez faire également après. Et une autre personne seulement, c'est le directeur de l'entretien, c'est celui qui gère. Et également, lui, un dora idéal fil l'akhir, d'accord. Et également, un dora idéal fil l'akhir. Donc, les trois, elles se mettent d'accord à la fin. La personne, elle est vraiment valable, ou bien cette personne n'aura pas sa chance dans l'entreprise, ou bien dans le concours que vous êtes en train de passer. Ou à khiren. Dans ce type d'entretien, les entretiens des muqabalat, vous répondez au fur et à mesure à chaque personne qui vous pose une question et vous gardez un contact visuel fréquent avec l'ensemble des membres du jury. À qui, kulma wahed min al-lejna yatrahu alayka su'al, ihtiram Allah wa taqdir Allah, yajib an tandura fi aynay wa an tujibahu. Atay al-jawab dialek. ربما يكون خطأ ربما يكون صحيح ولكن de préférable tâchez toujours de donner de très bonnes réponses et regardez les personnes avec qui vous parlez d'accord ça montre que vous êtes mûr que vous êtes sage que vous êtes également responsable qui est également que vous mesurez ce que vous dites en face d'un jury donc هذا النوع الأول l'entretien face à un jury المقابلة في مواجهة لجنة التحكيم نمر الآن إلى النوع الثاني وهو المقابلة الجماعية مقابلة الجماعية le recruteur peut rassembler plusieurs candidats à un même poste ils ont un sujet à débattre il va tenter de découvrir la personnalité de chacun هذا النوع من les entretiens qui est entretien جماعي entretien جماعي par exemple, moi personnellement, un âge sien, voilà, j'avais l'expérience d'assister à plusieurs et de faire plusieurs entretiens. Maintenant, l'entretien pour travailler dans une boîte de communication. Et on a fait l'entretien en groupe. On était à peu près 120 candidats. Miochirin Moucharik. Dans une boîte de communication. Donc, كل مرة, pardon, كان كيمر un candidat devant tout le monde pour se présenter et pour recevoir les questions et pour répondre aux questions posées par le nombre, par le jury. Donc, certainement, c'est une occasion pour découvrir les autres, pour se mesurer aux autres. Également, c'est une façon de montrer vraiment qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez donner, est-ce que vous êtes vraiment différent des autres, ou bien vous n'êtes qu'un copieur.
دونك هذا النوع ديال لي زونتروتيان تيكون ممتع جدا، ولكن كيكون فيه نوع من التحفيز كي تبدع في تقديمك، كي تبدع ايجالمون في اجاباتك، الاجابات ديالك يجب ان تبدع فيها داكور pour être tout simplement tout à fait différent des autres. C'est la différence qu'on cherche. C'est la différence qui est recherchée dans l'entretien collectif. Donc, l'ertilaf ou le tanawwa, ou le kijal alfarq, on peut retenir X et rejeter Y. Donc, deuxièmement, ce type d'entretien est toujours suivi pour ceux qui ont réussi cette étape d'un entretien en tête à tête, ou face à face, à un jury, voire des tests. Oui, c'est vrai. Admirons les entretiens. من بعد ما كتنجح في لوغال اللي هو كان شفوي جماعي امام الجميع، الاقصائيات او النجاح ديالك التفوق ديالك تمر الى المستوى الثاني. المستوى الثاني هو يمكن يكون امتحان كتابي او ان انتروتيان، في الغالب تيكون بسيط جدا، في الغالب كيكون بسيط جدا سورتو الا كان اوغال. مي او نيفو دو ليكري ايغالمون اون ساريت سور ليكري لي كومبيتونس دو ليكري ou bien la résolution de quelques techniques, de quelques problèmes. Donc, la grande difficulté, c'est l'entretien collectif. Il faut d'abord réussir cette étape. Et là, l'entretien collectif, normalement, voilà, vous n'avez rien fait. On ne va pas vous convoquer. L'entretien, ça veut dire la deuxième partie. Troisièmement, on trouve surtout ce type d'entretien pour des emplois en gestion ou en relation d'aide. À qui? Voilà, qui m'a dit à l'exemple, il est déjà en train de faire, par exemple, j'ai travaillé dans une boîte de communication. Les entretiens collectifs qui sont toujours en relation avec l'autre, avec l'équipe, pour gérer une équipe ou bien pour faire de la communication, voilà, au sein d'une entreprise. Donc, l'emploi que vous allez avoir, toujours il est en relation avec la gestion et la relation. L'entretien structurel. Un entretien structurel. Donc, l'intervieweur pose au candidat un certain nombre de questions de façon formelle, organisée. Cela a également lieu dans un bureau. La durée de l'entretien peut varier selon la complexité du poste. Donc, هذا نوع من المقابلة المنظمة. المشغل أو المسؤول على l'entretien également يمكن يكون هو le responsable des ressources humaines. Voilà, غادي يطرح عليكم مجموعة ديال الأسئلة منظمة بشكل ما. في واحد نوع من التسلسل ويدعوك إلى الإجابة عليها. هذا الانتروتيان تيكون فردي في مكتب فوالا او يكلو مغلق وكياخذ وقت، يمكن يكون 10 دقائق 5 دقائق نص ساعه ساعه، سا ديبون دو لا كومبلكسيتي دو بوست، سا بدير الصعوبه ديال لو بوست والتشعب ديال المهام اللي كاينه في العمل اللي غادي تقوم بها من بعد ان شاء الله، من بعد النجاح ديالك هي اللي كتحتم علينا وهي اللي كتحدد لنا المده الزمنيه ديال لونتروتيان. كل ما كانت المهام اللي غادي تكون عندك مهام كثيره، كل ما كان لونتروتيان سا برون دو طون، كيكون مده اطول، بارفوا يمكن يكون اكثر من ساعتين ثلاث سوايع، بارفوا اون دومي جورني اون دومي جورني. دونك على قدر اهل العزم تاتي العزائم. النوع الاخر او الرابع، النوع الرابع اللي هو لونتروتيان نو ستركتورال. دونك إلي بوسيبل كو لانترفيور اي ركور ا اون ابروش ديتوندو اي اتيليز لو طون دو لا كونفرساسيون. لونتروتيان بوت افوار ليو ايور كو دون ان بيرو كوا كيل اريف اي كيل كو سوا لا كاليتي دو رابور كي سانستال. لو كانديدا نو دوا با بيردر دو فيو كيل ايت ايفالوي دو لا بروميير ا لا ديرنيير مينوت اي كومبري auprès de la réceptionniste, par exemple, de l'accueil de l'entreprise. هذا النوع من المقابلة اللي هي غير منظمة، ممكن نعتبرها عشوائية تلقائية،
entretien. مقابلة تلقائية يجب أن لا يغفل المشارك بأنه دائما تحت أعين التقويم، بأنه الناس المسؤولين يقومون بتقويمك منذ دخولك المقابلة ولا الشركة المقاولة التي دخلتي، بدءا من الشخص الذي يستقبلك في المكتب إلى وصولا إلى السيد الذي يعني غادي تدوز معاه لونتروتيان، avec qui vous allez faire l'entretien. في الغالب هذا النوع من المقابلات كيكون غير منظم، عشوائي، فيه كلام etc. في نوع من التلقائية كتحس بأنه الناس سأقول لا personne avec qui vous allez faire l'entretien le responsable كيتكلم معك واحد النوع من التلقائية، ولكن يجب أن لا تغفل بأن التلقائية التي يتحدث بها هو. Fais attention pour qu'il ne te piège pas. كن على بال بأنه ما ي... voilà ما يبيجيك. D'accord. Ça veut dire toi tu vas rester toujours professionnel. بالرغم من ذلك يجب أن تبقى دائما dans le cadre professionnel. ما تثقش بال la façon de parler des autres, d'accord? Fais confiance à toi-même, fais également attention à l'image que tu veux, que tu as envie de, d'envoyer à l'entrepreneur. Donc, sur les quatre haouls, même quand on se l'a le mouchagil, c'est que tu atteignes bien, d'accord? Mais le haoul dit à l'entretien, mais le haoul dit à le mouchawala ou le mouchtib, حتى le khourouj dit ou l'insiraf dit. هذا النوع من لونتروتيان كما تحدد كيكون ان بو فوالا عشوائي شيئا ما، داكوغ، وكتحس بانه كاين اريحيه وما كاينش عليك ضغط، ولكن نوبلي با تي دوا توجور دوني لو ميور دو توا حول ما امكن، لانك تعطي اجمل وافضل ما لديك، داكوغ. والنوع الاخير، النوع الاخير هو اللي كيتسمى بلونتروتيان غوبا. مقابلة وأثناء وجبة غداء أو دعوة. بارفوا كتدخل المقاولة وكتلقى بأنه الوقت ديال المجيء ديالك للمقاولة يتزامن مع وجبة الغداء ولا أن غوتي، دونك لو ريسبونسابل كي ياخذك معاه فو مارشي أو بيان فو بارتي فو سورتي دون أن ريستورون، كتمشيو لشي مطعم et vous êtes en train de discuter, de prendre un café ou bien quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et être sûr de ce que vous dites et faire, voilà, toujours donner le meilleur de vous. Donner le meilleur de vous. Il ne faut pas, voilà, ما تستناش تمشي للبيرو عاد تقدم اجمل ما لديك وافضل ما لديك. ميم دون ان كافي فو بوفي بارلي دو فاسون سيريوز، بارلي دو فاسون سيريوز، بريزونتي سو كو فو بوفي فير، سو كو فو سافي فير، اي سو كو فو بوفي، سو كو فو بوفي دوني كوم كاليتي او بيان كوم فالور اجوتي ا لونتربريز. دونك جو في لير لونتروتيان بو بروندر ان اسبي موان فورمال، اذا شيئا ما ليس شكلي. D'accord, elle se déroule dans un restaurant, par exemple. Il pourrait se dérouler dans un restaurant. Cela n'empêchera pas à l'intervieweur de manifester beaucoup d'intérêt à un candidat. Généralement, la première partie de l'échange sera moins formelle. Les questions plus directement liées aux exigences du poste. Et puis, à la fin du repas, vous allez soit finir le wajba, vous allez être invité à l'entreprise, au bureau, pour terminer le travail que vous avez déjà commencé, peut-être signer un contrat, avoir plus d'informations, etc. Ou bien, on va vous saluer, on va vous dire au revoir, à la prochaine, peut-être on va vous téléphoner. D'accord ? Donc, en bref, d'accord ? Un bilan rapide, donc le premier. Le premier, c'est quoi? C'est l'entretien face à un jury. Muqabala amama lejna tahkim. Lejna katkoun fil ghalib min tlata jounnas. Taniyan, l'entretien collectif. Muqabala aljama'iyya. Talitan, l'entretien structuré. Muqabala munaddama mu'attara. Mais quand on se sent qu'on est très sérieux, également les personnes avec qui nous allons faire l'entretien sont très sérieux.
l'entretien non structuré المقابلة بطريقة غير منظمة وعشوائية وتلقائية. وأخيرا الانتروتيان روبا، مقابلة أثناء وجبة غداء أو on boit un café dans un restaurant ou on a combien de muqabala. Khitaman, des tests ou bien des évaluations peuvent avoir lieu après chacun de ces différents types d'entretiens. Pardon. Finihayat ay entretien, il faut toujours s'attendre à un test écrit. N'importe quel truc écrit. Munkinikun, d'accord. Deuxièmement, les résultats d'un entretien se jouent en partie pendant la préparation. N'hésitez pas à vous renseigner sur le poste de l'entreprise et l'entreprise également. Najah de l'entretien, yabda qabla jara l'entretien, qabla jara l'muqabala. كيف ذلك؟ المفتاح هو الإعداد. Il faut toujours se préparer. الإعداد هو الإعداد ثم الإعداد. Se préparer à l'entretien et puis avoir plus d'informations. نحاول ما أمكن ديرو استقصاء حول الشركة المقاولة أو لو بوست نخدم مجموعة من المعلومات المفيدة والتي ساتهمنا كثيرا ولا قصد إنجاح الانتروتيان. دونك هادو الأنواع ديال المقابلات. نتمنى بأنني نكون جاوبت على la question profonde. نتمنى بأنه نكون vraiment précis والأمور تكون واضحة. Sinon, si vous avez des questions, اكتبوهم في التعليقات ولا تليفوني moi, vous avez mon téléphone. Merci et à la prochaine vidéo, inshallah.